cavalcade sur la place des Palais. La foule se précipite pour assister au feu d'artifice. Mais avant ça, discours surprise du roi Philippe. Merci à tous d'être là pour fêter ce grand moment avec nous. C'est près de 50 000 projectiles qui auront été lancés dans le ciel bruxellois pour assurer un spectacle de 30 minutes. Ne dites plus « Prince Philippe », mais bien « Roi Philippe ». Le public est conquis. On peut dire le roi maintenant, oui. Oui, il faut s'y habituer. Non, il était très décontracté, je trouve. Comparé aux interviews qu'il faisait avant, où il était très, très stressé ou quoi que ce soit, là, il est libéré. Un roi qui a l'air sûr de lui, qui a parlé avec un aplomb sans retenue. Apothéose d'une journée qui a particulièrement marqué les Belges. Au matin, dans le discours d'Albert II, le gros kiss pour la reine Fabiola. Ce que j'ai le plus aimé aujourd'hui, c'était les feux d'artifice. Les larmes de la reine Paola, j'ai envie de dire au matin au Tédéum, elle était vraiment fort émue de tous les hommages qu'on a pu rendre à elle également, mais à son époux aussi. Un roi s'installe, un autre s'en va. Dernier signe de main pour Albert.